pour les fans de Florent Pagny, Siestino et l'avant-l'heure. Ce jeudi 15 décembre, le chanteur a en effet annoncé une excellente nouvelle. 11 mois après avoir annoncé souffrir d'un cancer, il s'apprête à remonter sur scène. Florent Pagny sera sur scène pour une série de festivals en 2023, ont annoncé ses producteurs sur les réseaux sociaux. L'année prochaine en effet, Florent Pagny va participer à plusieurs rendez-vous musicaux, le Festival de Nîmes le 30 juin, la Luna Festival, le Festival de Poupées ou encore les Arènes de Bayonne. En tout donc, le chanteur de Ma Liberté de Penser adore et déjà 12 concerts prévus et d'autres à venir, a précisé son équipe dans un communiqué. À noter que les billets seront disponibles dès ce vendredi 16 décembre à 10h. Et ce n'est pas tout. Les fans de Florent Pagny pourront aussi célébrer la nouvelle année avec lui. En effet, TF1 diffusera un documentaire exceptionnel, Florent Pagny comme vous ne l'avez jamais vu, le 1er janvier prochain dès 13h40. Un documentaire riche en anecdotes, en révélations avec des témoignages rares de sa famille, sa femme, sa sœur, ses amis les plus proches Patrick Bruel, Cadmerade et Obispo Pascal. A annoncé la chaîne. Pour le moment en revanche, la tournée qu'il avait prévue pour ses 60 ans n'est pas encore recalée. Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir continuer ma tournée des 60 ans, je vais devoir annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé, annonçait-il le 25 janvier dernier. Florent Pagny, ce cancer m'a réveillé en quelque sorte après cette annonce. Florent Pagny avait suivi un protocole de plusieurs mois puis s'était reposé auprès de sa famille. Et il a régulièrement donné de ses nouvelles, comme au début du mois de novembre dernier. Bonsoir à tous, salut les amis, lançait-il dans le Téléthon, devant un magnifique paysage, celui de la Patagonie. J'aurais bien aimé être avec vous pour une soirée comme celle-ci, pour soutenir et se mobiliser contre le cancer, surtout que je suis largement concerné maintenant. Justement, je suis tellement concerné que je suis dans cette phase de remise en forme. Il se voulait alors très rassurant, normalement si tout va bien, l'année prochaine on se retrouverait enfin tous ensemble, pour chanter ensemble et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche. Soigné pour son cancer, Florent Pagny s'est toujours voulu rassurant. Les dernières nouvelles que j'ai de mon intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, si est que la tumeur a bien rétréci, de la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios. Maintenant, je sors du tunnel, assurait-il sur le plateau de TF1. J'ai quelques réponses qui me permettent de mieux évaluer la situation et ça ravive en moi certaines choses que j'ai un peu perdues, arrivées à mon âge. Florent Pagny ajoutait, sourire aux lèvres, ce cancer m'a réveillé en quelque sorte, et il a redéfini le sens de mes priorités. Point, mes plus proches m'ont écrit un titre, mais il faut d'abord que je me remplume un peu avant de l'enregistrer car j'ai perdu du muscle. Ce serait difficile de chanter trop longtemps. Tant que ma voix est là, je suis là. Je ne lâcherai rien. Et je terminerai ma tournée après m'être retapé.